Non, ne me tue pas, s'il te plaît. Wesh. J'ai tout perdu dans ma vie. Quoi? Je suis né orphelin et mes parents étaient déjà en train de cuire dans la casserole. J'ai grandi tout seul et un jour j'ai rencontré la femme de ma vie. On s'est mariés et on a eu deux magnifiques enfants. Mais du jour au lendemain, tu les as démembrés et tu les as mangés sans aucune pitié. Donc s'il te plaît, donne-moi au moins la chance de vivre. Il ne me reste plus rien à part moi. T'es en retard, ça a sonné il y a 5 minutes. Vous vous rappelez hier quand vous nous avez dit que c'est pas la sonnerie qui nous libère mais que c'est vous qui nous libérez? Oui, et il est où le problème? Eh ben si la sonnerie ne nous libère pas, elle nous dit pas quand venir en cours. Tu te sens drôle ce matin? Oui. Eh ben tu rigoleras moins avec ça, petit rigolo. Mon test? Que tu as misérablement échoué. Et vous? Vous avez échoué à m'éduquer. Je n'ai rien échoué. Tu as les mêmes réponses que ton camarade Théophile de A à Z. Oh, je me demande pourquoi. Peut-être parce qu'on répond aux mêmes questions. Sors de mon cours. Est-ce que je peux aller aux toilettes en sortant? Pourquoi faire? Oh, je sais pas. Pour faire caca, peut-être? Dehors! Il a posté? Non, il a posté. C'est moi le premier! Yes! C'est moi le premier! C'est moi le premier! Eh vas-y, ferme ta bouche, c'est moi le premier! Mais pas du tout! J'étais là une minute avant toi! Eh vas-y, viens, on se bat! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mais c'est la vidéo de Mathéo! Oh, tu peux me répondre, s'il te plaît, tu peux me répondre, je suis en fan! Eh, j'ai juré, vous êtes trop des gamins! Toi-même! 2010. C'est même pas vrai, je suis en 2009. Aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre et il est 13h. 13h01. Imaginez, il me répond. Imagine encore! Oh, tu peux m'épingler, s'il te plaît? Eh, hey, c'est qui ce mec? Ah, ça, c'est mon ami. Il arrête pas de jouer à son jeu de réalité virtuelle. Ah ouais? Pff, ouais. Il est totalement addict à ce jeu. Là, par exemple, il est en train de conduire une voiture. Je trouve que c'est une perte de temps. Ouais, je suis d'accord, parce que rien n'est réel. Et là, il fait quoi? Là, il entre dans un ascenseur. Monsieur. Vous êtes accusé de meurtre ainsi que de vandalisme. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Votre honneur, je trouve que votre loi est corrompue. Je vous écoute. Réfléchissez. Si je bois une bière, est-ce que cela fait de moi un alcoolique? Non. Et si je dessine un dessin, suis-je un artiste? Non. Mais où voulez-vous en venir? Alors pourquoi suis-je un meurtrier si je tue une personne? Vous avez réussi. Vous avez raison, c'est pas logique. On va tout de suite changer cette loi. Et si je vandalise une fois un distributeur de boissons? Ah non, ceci est un crime contre l'humanité. Personne ne touche à nos distributeurs de boissons. Embarquez-le. Quoi ?